Attends-moi. T'as vu que c'était rapide, tu vois. Il a pas chômé, hein. C'est surprenant, ouais. Il a été surpris, oui. Ah ouais. Je vais mettre l'encre. Allez, c'est le tien. Bravo, Coco. Tu vois que j'ai senti un coup. Ouais, c'est parti. Je voulais te dire. Ça a fait comme une grosse inspiration. Ouais. Il y a deux touches. Je t'expliquerai après comment ça marche. Et mes gants. Allez, c'est toi la vedette. Je suis content, t'es venu là. Ah, c'est super. Hein? Ouais. Laisse-le. Faire ton frein. Voilà. Faut le pomper. Il a accroché. Là, il te prend le courant. Pompe. Faut l'avouer. Doucement. Voilà. Là, il est plus du coup, tu vas le faire. Là, il revient. Pareil, il y a le courant. Après ils le savent où est-ce qu'ils peuvent aller. T'as vu que ça n'a pas tardé parce qu'on l'a conquis, ouais. Il a dû venir de je sais pas où, curieux, il t'a chopé les direct quoi. Ouais, pourtant ils avaient côte à côte les deux. Ah ben ça veut rien dire, ouais. Des fois à 4 à pêcher. Ah oui, c'est sûr. On les a vus à vue, moi, je te le disais sur la Garonne. À 2m14, à vue. 150 mètres avec lui, on l'a fait. Ouais. Ouais. J'ai vu deux fois ou trois fois avec moi à mon vif, il a poussé comme ça, il l'a jamais pris. Bien sûr, il n'a pas tardé, le coco. C'est un présage. Coco il arrive, ça y est, il me fait un silure. Hein? Bon, voilà, que le pigeon un peu. 1m50, 1m70. Ouais. C'est de le faire tourner vers là si tu peux. Donc là tu vois, on a l'ancre du bateau. Ouais. Ce qui permet si tu veux de ne plus dériver. Parce qu'il a une ancre. Il y a une ancre dessus automatique. D'accord. GPS, tu vois. Il permet, bon là il rattrape, tu vois, il bouge pas. Ouais. Ce qui va te permettre de finir ton combat, et pas casser le reste de la pêche, voilà, ouais. Et continuer à dériver après. Il est nerveux. 1m60, ouais. C'est un joli poisson hein, quand même. Ouais. Ceci, il est beau. Il est beau, hein. Ça c'est la Turbo 4. Ah, on a tapé. C'est ma canne ça. Après si tu veux, voilà, t'as vu la tresse, il n'y en a plus beaucoup dans le moulin, c'est pour ouais. Du bruit de l'eau. Ouais, parce qu'après si tu te prends pour le fil. Alors, tu vas faire gaffe simplement, on va regarder comment il l'a chopé. Ouais voilà pour le boudin, le triple et ouais. Donc tu vas t'écarter un petit peu vers l'arrière. Ouais. Il va. Tu fais le monter maintenant. Maintenant tu peux le faire monter. Maintenant il va falloir que ça y aille. Tu le fais monter, on va couper la tresse, wow. N'oublie pas. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Après, il va falloir trouver un endroit où connaître pour faire la photo. La photo, je la ferai avec le téléphone, par contre. Ah oui, c'est un tortillon. Ah oui, c'est envolé. Wow, c'est quoi qui m'a tapé, là? Bien fait. Je lève ta cam vers là-bas. Il est petit, parce que c'est un petit peu de temps. Il est pas fatigué. Il peut qu'à force de faire le con. Il y en a un qui revient. Ah ouais. Ah ouais. Il y en a un qui vient nous conquérir la queue. Parce que là, il est en train de faire des mouvements dans l'eau. Et ouais, ça fait de que ça attire les plus gros encore. À tout moment, tu peux voir un gros venir lui croquer la queue. Ça tire quand même. Moi, je l'ai rangé la botte. J'ai refait le verre. La canne. Ouais, voilà, je peux. La canne. Celle-là, je l'ai vu plier avec les 2 mètres sous le bateau. Ah ouais. Ah ouais. Mon collègue. Celle-là, je suis là avec un 2m22, comme ça, je le tiens, et à un moment il repart au rush, comme ça il m'a fait. Le collègue il m'attrape la canne juste au bord du bateau. J'allais lâcher la canne. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier avec ces poissons. Et oui, même quand tu l'attrapes. Une fois que tu l'as dans le bateau, c'est un ange. Ouais, après même quand tu l'attrapes, c'est quoi ouais. Non, l'attraper, il y a une technique, il faut y toucher la tête. Oui, tu touches la tête et voilà, sinon il repart, ouais.
Oui, ils vont faire un petit peu de pression. On va les voir arriver comme à des feuilles. Je vois des jours même pas. Ah, il s'est entremêlé. C'est beau comment ça fait. Oh, tu l'as sauté à deux ans. Ouais, par la tête et... Par la tête et dans... Alors, faut que je me mette où moi pour pas gêner. Allez, on va faire un tour. Ouais. Là, j'ai rien pour réparer, pour regonfler à chaque fois. Bon, avec Seb, s'il n'a pas du scotch, déjà pour limiter. Alors, je pense. Tu vois que ça va vite, le triple. Hein ouais. Sans forêt, il s'est présenté mal, tiens. On va couler. Ça y est. Ah, tu pouvais pas, il pouvait pas s'échapper le pauvre. Mais le gant, hein. Je sais pas si on peut s'accoster par là peut-être. Là il va se calmer. Il va se calmer. Voilà. Redescends-le, redescends-le. Ah ah, c'est pas vilain. Comme une bombe, il est monté. Il est monté comme une bombe. Ok. Voilà. Tourne-lui la tête vers nous. Tourne-toi avec. Voilà. Hop. T'es beau. Voilà. Là. On a foutu le trip juste dans le boudin. Voilà. Ah si, il est beau. Hein ? C'est un joli poisson, hein ? Bon, à mon avis... 1m70 il est fait. Voilà, ça c'est, il n'y a pas photo, c'est un beau poisson. Par contre, tu vois que quand même les petits ils sont quand même nerveux. Ouais, ouais. C'est comme tout. Hein. Alors le problème de mon sondeur, c'est que j'aurais dû le voir. Et là j'aurais dû le voir. Voilà, oui, t'aurais dû le voir monter, ouais. Mmh. Ouais. C'est Trump. Après bon, c'est tout beau, tout mauvais, tu peux en faire un et puis le j'en ai rien, mais là tu vois c'est propice, on a commencé la dérive. C'est pas la zone où réellement où je pensais que c'était le plus fréquenté, mais on a réussi à en faire, c'est bien. Là tu vois on est échoué carrément. Il a foutu. Thank you.
rempli le bateau. Histoire de pas couler, parce que là, quand même, il s'est bien dégonflé. T'as bien fait d'arrêter. En fait, t'arrêtes, tu refais une pause, toc toc, et tu repars. Parce que là, c'est mort, si t'as pas suivi. Non, après, il a suivi, mais. Après, il a abandonné. Ouais. Un refus, ouais. Refus d'obtempérer. D'obtempérer. Quand tu fais une fuite, c'est-à-dire que t'accélères un tout petit coup. Ou alors, des fois, on le ralentir un peu et raccélérer, ça marche. Là, il y a du chevesne là. C'est, on aurait dû faire la bordure ici ce matin, je pense. Le poisson, il est là. Fais gaffe de ne pas te mettre l'hameçon dans les doigts. Journée de pêche terminée. Conclusion, un sur et quelques petits chevesnes attrapés. Et voilà. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.